Babou possède 95 magasins en France, chacun fonctionnant de manière autonome sous la responsabilité d'un gérant. Le fait que le groupe B&M, spécialisé lui aussi dans les produits discount, rachète la société créée en Auvergne ne devrait pas avoir trop d'incidence ni sur le personnel, ni sur le fonctionnement, nous a affirmé le nouveau PDG. La première chose, c'est que ça ne va pas du tout changer pour les salariés ici. Nous maintenons notre siège social Babou France ici à Cournon d'Auvergne, et ainsi que toute la logistique et tous les salariés qui travaillent déjà dans le groupe. Ça veut dire que les cadres vont rester ici ? Les cadres vont rester ici, les agents de maîtrise resteront là, les employés resteront là, et on va aller même plus loin puisqu'on a besoin de recruter, que ce soit dans les achats, dans la logistique et dans les services d'approvisionnement. Le personnel du magasin de Cournon a appris la nouvelle hier sur Internet. La plupart des salariés ont été surpris et certains étaient aussi un peu inquiets. Un petit peu, parce que bon, c'est une société apparemment qui font beaucoup travailler les jeunes. On a des salariés, on est vieillissant. Nous, on est là depuis l'ouverture, donc presque certaines, elles ont 30 ans de boîte, donc ça fait un petit peu peur. Le nom Babou va rester tel quel et les responsables espèrent se développer en s'adossant au groupe anglais qui possède actuellement plus de 600 magasins en Angleterre et en Allemagne.